s'est vite fait, on vous a vite allé dessus, comme on pouvait dire en descente. Ceci dit, vous êtes prêt pour faire un podium, on a l'impression que vous avez les possibilités de le faire. Ah, je sais que je suis capable, après, il faut voir le jour, si les jambes sont là, si... après, y a plein de... on peut avoir plein de pépins, hein, sur le coup, donc, faut qu'il y ait tout de réuni. Quoi. Ok, merci. Ouais. Yvan, je peux t'appeler demain midi, une heure, hein, comme ça je ferai un mot pour préparer la Narvili, quoi. D'accord, merci à toi. Ça représente quoi ce titre, Yvan? La confirmation, parce que je l'ai eu l'année dernière et je voulais quand même le garder cette année. Le plus dur, c'est pas de l'avoir, c'est de le garder. Ouais, c'était ma question. On est outsider sur le premier, puis après on est attendu. Ouais, voilà, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare différemment? Non. C'est la même chose. Ouais. Faut donner le maximum le jour J, donc c'est ce que j'ai fait. Bon, faut fêter ça maintenant. Pourquoi? Ouais, tout de suite. On va attendre la fin de saison pour ça. On va attendre le week-end prochain et. Ouais, faut encore se reconcentrer là. Pour la Narvili. Ouais. Et puis Château? Non. Après la Narvili, il y aura une sélection pour aller en équipe de France sur les Coupes du Monde de Namur et de Zolder le 21 et le 26 décembre. Donc on fête pas ça avant début janvier? Non, on fête ça après. Ouais. Merci.